Allez, du coup, mettre ses réserves, c'est tout, on dit ce qui s'est passé. Attends, quoi, c'est un professionnel, il n'a pas coupé. Cherchez, voilà, j'ai mis ses réserves. Voilà, fallait qu'il enlève le CD pour mettre ses réserves. Soyons clairs. Voilà. Charlie, c'est un professionnel. Merci. S'il vous plaît, bonsoir à tous, merci d'être là. Je vais juste prendre deux minutes pour la marraine, ma troisième marraine. Je l'appelle Okayire. Au quoi? Okayire. C'est son petit nom que je lui ai donné. Quand tu as le goût, tu es embêté, on dit Okayire. C'est pour ça que je l'appelle. Je la connais depuis 1997. Arrêtable police. Voilà. Elle s'appelle Madame Zawi. Je l'ai choisie parmi mes marraines. Parce qu'elle est de Gagnoa et elle n'est pas ministre. Vous pouvez m'écouter s'il vous plaît, c'est important. Merci. Merci à tous. Donc je disais que cette femme, elle n'est pas ministre, elle n'est pas cadre, elle n'est pas ingénieure de pont et chaussée. C'est une enfant de Gagnoa. Elle est ici, elle se débrouille comme tout le monde, comme moi, comme d'autres. Et j'étais là, quand on a organisé le projet Amiyuku, je l'ai appelée, j'ai dit, ma soeur Yo, tu vas être parmi les trois personnes choisies comme marraine pour notre première association, première soirée de bienfaisance. Elle a dit, j'ai dit, non, écoute, Amiyuku, on a une philosophie. C'est-à-dire, nous les enfants de Gagnoa, et je tenais à profiter du micro pour le dire, chez les Akans, au passage, je salue les Akans qui sont ici. Un Akan, quand tu as un an, on te dit tu es roi nana là, on se prosterne devant toi. Mais nous les gens de l'Ouest, je suis désolée de le dire, peut-être je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave, vous allez m'aimer après. On n'honore pas nos parents de leur vivant. On les honore lorsqu'ils sont ministres. Lorsqu'ils sont ingénieurs et ponts et chaussées, c'est là qu'on court après pour dire, ah comme j'ai mon anniversaire, il faut venir, tu vas faire ça. Et je l'ai choisi, j'ai dit, je vais t'honorer parce que tu es une enfant de Gagnoa. Donc tu es parmi mes marraines. Elle a accepté. Donc, je voulais dire merci. Voilà, c'est à nous de valoriser nos parents de leur vivant. Bonjour à tous et à toutes. J'aime pas les yeux. J'aime pas les yeux, j'aime pas qu'on me regarde comme ça. Tu es belle. J'aime pas. Moi aussi j'aime. Moi je suis pas à l'aise. C'est pas mon rôle. Moi j'aime. Ouais. Donc du coup, elle insiste pour que je sois là. C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. C'est pas vraiment une amie, c'est l'ami à une amie. Elle a dû m'apprécier, je sais pas pourquoi. Elle a ses raisons. Mais me mettre là comme ça, être observée, franchement, je suis pas à l'aise. Ça a commencé. Ouais. Donc du coup, je suis arrivée. Bon, ben je lui dis merci pour l'honneur qu'elle m'a fait. Et je suis enfant de Gagnoa, je suis Donny. Voilà, Oni Tabri. Donc je suis vraiment dans mon élément, c'est mon identité. Gagnoa, c'est chez moi. Voilà. Je suis venue avec un paillet jaune pour signifier le soleil, la joie la, de vivre de Gagnoa. C'est pour ça que j'ai choisi ce paillet bien jaune. Pour être bien visible. Oui, maman. Voilà. Là, elle me met dans une situation que j'apprécie, mais que j'aime pas. Mais bon, je suis là. Je suis venue avec mon mari, mes amis et tout. Ouais, ils sont présents, ma fille. Et je vous remercie d'être présent, de soutenir la vie de Gagnoa. Et franchement, comme on a dit depuis tout ce temps, un héros, c'est important. Nous, mes parents, ils sont au quartier soleil de Gagnoa. Et ma soeur a accouché à la maternité de Gagnoa. Et l'accouchement a failli mal se passer. Nul était l'intervention de Dieu. C'est Dieu qui a délivré ma soeur. Parce que quand je suis arrivée à Gagnoa, on me disait, elle va faire une césarienne. Je me suis mise en genoux pour prier. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, on m'a dit, madame, elle va accoucher normalement. J'étais soulagée parce qu'une césarienne au pays, j'imaginais le pire. Donc par rapport à tout ce qu'elle m'a demandé, je me suis dit, bon, je n'ai pas fait grand chose. Ma présence est déjà un geste. Et je viens, je retrouve mes filles, mes soeurs. Je suis contente. Donc je remercie Léa, je vous remercie de votre soutien et vraiment que Gagnoa vive. Amiyuku pour toujours. Aujourd'hui, merci. Moi, je n'ai pas grand chose à vous arriver. Voilà. Merci. Merci Didier. Je suis François Monique.
je fais, nous formons un groupe, nous venons de Chartres, nous sommes venus soutenir avec une couple. Et moi je ne la connaissais pas, c'est aujourd'hui que je Nous sommes venus soutenir l'association de Léa à Meyoukou. Moi, je suis de Gagnoua. Je suis né à l'hôpital de Gagnoua. Je suis de Zébizékou. Voilà. Donc ce soir, vraiment, nous sommes contents. Je suis content d'être parmi vous. Moi, je n'ai pas l'argent. Mais moi, je vous apporte des brancards et des chaises roulantes. D'accord. Chaises roulantes et des fauteuils roulants. Voilà. Et là, je profite pour vous montrer, présenter ma biographie que j'ai écrite. D'accord. Que vous trouverez à cette adresse chez Hachette. Tu peux lire ça, ma chérie. Je vais gérer la communication après. Si vous voyez, ne t'inquiète pas. Je vous remercie. Bonsoir. Merci beaucoup.